J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul. Si, pour un petit haul. Alors, on va faire un petit haul action. Bon, il y avait longtemps, hein. Bah si, il y avait longtemps. Mais si, il y avait longtemps. Mais si, je te dis que si. Enfin, non, mais dis donc. On va faire un petit haul action. Alors, je suis allée à Action de Menin et j'ai trouvé quelques petites nouveautés. Je tenais à remercier entre autres Vanessa. Merci infiniment, Vanessa. Vanessa est une abonnée qui me suit et elle m'a dit qu'il y avait des nouveaux tampons. Donc, je suis allée à l'ouverture. Pratique, personne, c'est bien, c'est très très bien et ça me convient. Si ça me convient, je fuis le monde. Proprement parler et littéralement parler, si je puis dire. Si je fuis le monde et je fuis le monde. Enfin, je me comprends. Si je peux comprendre. Alors, je vous montre. Alors, j'ai trouvé des nouveautés. Alors, ça, c'est vraiment pas cher. 89 centimes. Je suis très, très contente. Alors, j'ai regardé dans le rayon loisirs créatifs. Ne cherchez pas dans le rayon loisirs créatifs. C'est dans le rayon bureautique. Je sais pas. J'ai eu un déclic comme ça. Je suis passée dans le rayon loisirs créatifs. Je fais, oh, ils y sont pas. Vanessa m'avait dit qu'il y avait des nouveaux tampons. Et je me suis dit, ah, zut, il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Attendez, il faut que j'arrête la vidéo pour faire la miniature. Voilà, j'ai fait ma petite miniature. Donc, j'étais en train de vous dire. Donc, j'étais dans le rayon loisirs créatifs. Et puis, je regarde, je fais, oh, il n'y en a pas. Oh non. Oh. Bon, je me suis dit, tant pis. Et je sais pas, je passe devant le rayon bureautique et là, il y a mon ampoule qui s'allume. Touf. Il y avait longtemps, hein. Bah si, il y avait longtemps. Et donc, je me suis dit, allez, hop, je les ai vus et j'étais trop, trop contente. Donc, parce que bon, après, il faut ressortir. C'est pas évident. Donc, je me suis dit, ah chouette, je les ai, je n'ai plus besoin de sortir. Ça, c'est bien. Alors, il y a quatre couleurs. Hein. Vous voyez, les blisters sont de couleurs différentes. Il y a 12 tampons. Oui, 12 tampons à chaque fois. Il y a to do, good vibes, donc à faire, bonne vibration, des fleurs, flowers. Pas de mauvaise journée. Be kind, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Juste le faire. Choisir être heureux, je crois. Focus, pas focus, love, ça je sais pas ce que ça veut dire, et keep smiling, c'est faire des sourires. Voilà, donc je vous montre d'abord, donc là c'est le vert. Ah oh, oui, je les ai tous pris à 89 centimes, je me suis dit je vais pas me prendre la tête. Hein. Alors, donc à faire, vous devez aller là, je crois, il y a des cerises, feel good. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sweet, c'est douceur. Être heureux. Important. Ouais. Be happy, important. Ouais, c'est vrai. Remember, se souvenir. Let's go. Let's do it. Vas-y, fais-le. Et love. Avec des petits cœurs. Moi, j'aime bien le mot love. Donc là, c'est le. On va dire, c'est le rouge. Vous voyez, vous avez un manche rose, rouge. To do, alors à faire, c'est possible, urgent, je t'aime, c'est ton jour, tu vas faire ceci, tu vas aller là, je crois, avoir des rêves, rêves sur, je ne saurais pas vraiment le traduire. Donc là, c'est le violet. Bon, si vous entendez du bruit, c'est rien. Par contre, je vois qu'il y a to do. Tout doux, non pas tout doux, tout doux, doux c'est doux, non, tout doux, ça revient souvent hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas très grave. Tout doux, let's play, va jouer, va jouer, va jouer dans ta chambre, cœur. Ne pas oublier, sweet c'est douceur, doux, happy days, jours heureux, candy c'est bonbon, étoile, so cute, très mignon, vas-y, va le faire et shine, brillant. Voilà. Là, c'est rose mais foncé. Hein. Voilà. Comparativement à celui-là. Voilà. Bon, vous regardez, hein, c'est les boosters. Alors, je vous montre
celui-là pour la photo. Je vous montre celui-là. Celui-là. Et celui-là. Alors, il y en a 4. C'est au prix de 89 centimes. Oui, je sais, je vous les ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc, on va les ouvrir. Enfin, si j'y arrive. Qu'est-ce que c'est que ce blister? Je déteste ces blisters. Je déteste ces blisters. Si, je vous le dis. Ah non, mais chez moi. Non, mais dis donc. On va en faire un ou deux tamponnages. Et après, vous allez voir, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa. Enfin, pour moi, pour ma part. Ah, ils ont mis de la... Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils ont mis de la colle sur le tampon. Bon, c'est action, hein. Ah si, c'est action. J'aurais pas dû nous mettre les pas d'encre. J'aime pas ces pas d'encre, là. En plus, c'est des pas d'encre qui tâchent. Hein, Julie, je te fais un petit coucou. Hein, Julie, elle sait aussi que les tampons, ils tâchent. Donc, si vous voulez vous en servir, c'est dommage qu'il n'y a pas de petite roulette. Bon, c'est du plastique. Ils ont mis de la colle. Bon, ça va. Oh, il y a un truc là. Voilà, il y a une cerise. Alors, vous avez un petit... là et là, vous avez une petite... manivelle qui vous permet de tourner. Alors ça fait mal, hein. Bon, si vous nettoyez bien vos tampons, vous pouvez faire ça aussi, hein. Parce que là, il y a les petits crans là. J'ai jamais aimé ces tampons là. J'en avais déjà acheté à Cultura et à Noz. J'aime pas, hein. Non, j'aime pas. Alors on va prendre un petit tampon que je puisse nettoyer. Alors je prends ma verre fine. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. Oh, c'est génial. Regardez. Quand on fait des petits timbres ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas très grand au niveau de l'écriture. Hein. Allez, venez, je vais vous tamponner important. Pouf, tac. Bah si, hein. Bon, après, moi, je prends la Versafine. Hein, la Versafine, non, c'est pas la Versafine. C'est la Memento. La Memento, ça va, elle tâche pas. Bon, c'est pas non plus qualitatif, hein, mais bon, pour les petites choses qu'on va faire, voilà, vous voyez, hop, si vous devez faire quelque chose, bah, vous écrivez tout doux. Tout doux. Tout doux. Non, pas du tout. Tout doux. Tout doux. Voilà. Ça tamponne très, très bien. Bon, par contre, il faut bien retirer l'encre. Comment je vais faire comme ça, hein? Oh, si, je vais faire comme ça. Si, je te dis que si. Allez, on va tamponner des fraises. Je crois que c'est des fraises. Des fraises. Je sais plus. J'ai arraché le... Ouais, des fraises. On va tamponner les fraises. Bon, après, les fraises, c'est pas noir, hein, mais c'est pas grave. Attendez. Voilà, des petites fraises. Ouais, ça peut être pas mal. Bah, je vous ferai peut-être un tuto avec ces petites choses qui m'ont l'air quand même assez sympa. Bon, c'est pas très grand au niveau de l'écriture, hein. C'est vraiment tout petit. Pas très grand. Ça fait vraiment 0,30. Et pour celle-là, c'est 0,5. Bon, c'est pas très très grand, hein, mais bon. Ouais, non, mais j'aime bien. Je vais tous les sortir hors caméra. Bon, je vais pas tous les tamponner, hein. Je voulais vous montrer un petit peu ce que cela donne. Alors, je pense qu'avec les encres de chez Action, ça va tâcher. Les encres d'Action, ils sont bien, mais j'aime pas parce que ça tâche. Alors, ensuite, il y a quelque chose que vous allez trouver ça super. Si, je sais. Alors, il y a un petit coffret de perforatrices, comme ça. Alors, il y a pas mal de modèles. Il y en a 8 dedans. Ça a 4 euros, il me semble 49, si je me souviens bien.
Alors, par contre, excusez-moi, par contre, il n'y a pas de. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que celui-là. Donc, vous l'avez en rose et en violet. Ils auraient pu nous mettre tout en rose. Hein. Mais bon, c'est. Maintenant, on est. Maintenant, je vous dis, on n'est jamais content. Alors, je vous montre un petit peu les motifs. Alors, vous avez losange, fleur, fleur. Ouais, non, c'est étoile. Attendez. Étoile. Ouais, pour moi, c'est étoile. Losange, étoile, fleur, papillon, ruban, nounours, trèfle et cœur. Alors, je vous les montre. Hein. Bah oui, quand même. Alors, vous en avez 8. C'est mis dans une petite mallette. Ça, c'est bien. Pour le rangement, c'est sympa. Donc, moi, je les ai pris principalement pour le losange. Les petites étoiles, vous voyez, là on a l'impression que les pointes sont, ouais, c'est un petit peu arrondi, c'est pas très pointu. On a l'impression que c'est pointu. Je sais pas entre ça. Ah bah attendez, on va vérifier, hein. Entre ça et ça. Bon, c'est déjà un tout petit peu plus, ouais, non, c'est à peu près la taille, mais vous voyez, c'est un tout petit peu plus arrondi en fait au niveau des côtés. Là, c'est plus franc. On pourrait les prendre aussi pour faire des petites fleurs, hein. On dirait une étoile de mer. Alors, il y a le petit papillon, donc petit papillon, il y a la fleur. Attendez, je pense que le petit papillon, il est plus petit. Ah non. Non, non, c'est la taille. Donc, la taille que vous voyez sur la perfo, c'est la taille que vous allez avoir quand vous allez faire la découpe. Là, c'est un tout petit peu plus grand. Bon, ça dépend lesquels, hein. Voilà, donc, il y a le nounours, il y a le ruban, le petit cœur, le petit trèfle. Alors, moi, je les ai pris. Ça peut être pas mal si on veut faire des trous pour faire des tags. Vous voyez? Donc, je les ai pris pour ça, ça et ça. Bon, les papillons, j'aime bien. Le cœur, j'aime bien. Bon, le nounours, il est joli. Le ruban aussi. Bon, le trèfle aussi. Bon, elles sont toutes jolies. Mais je pense qu'il y en a qui seront plus utilisées que d'autres. Voilà, pour faire mes petits projets de loisirs créatifs. Ça peut être pas mal. J'ai hésité à les prendre parce que je me suis dit, oh, ils auraient dû faire plutôt, vous savez, des mallettes comme ils avaient fait il y a un moment à Cultura. Bon, le prix n'était pas les mêmes et en fait, c'était 3 ou 4 perforatrices qui vendaient. Bon, c'était quand même. Il y avait un coût, je crois, j'avais payé 16 euros pour 3 ou 4 perfos et j'avais pris des ronds. Parce que c'est vrai que les ronds, c'est toujours utile d'en avoir. Et je me suis dit, bah tiens. Ça peut être pas mal. C'est dommage qu'il n'y a pas de rond. Peut-être que sur un autre coffret, on les aura. Ça serait bien qu'il les continue, mais qu'on a vraiment des coffrets par la suite, je l'espère. Par exemple, plusieurs formes de rond, plusieurs formes de carré, plusieurs formes de triangle. Ça serait vraiment, vraiment chouette parce que des fois, on n'a pas toujours envie de sortir. Le die, des fois, avoir une perfo, ça peut être aussi pratique si on n'a qu'un rond à faire. Voilà, surtout pour faire, vous savez, les petites fermetures pour les junk, pour les petites enveloppes, peut-être pas pour les junk, mais pour les petites enveloppes, pour les happy mail, vous savez, ce que je mets de temps en temps. Donc, ça peut être pas mal. Après, à voir. Bon, je pense qu'ils vont continuer le rayon loisirs créatifs, je pense, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos. Pour moi, il n'y a pas d'arrêt pour le rayon loisirs créatifs. C'est parce que là, c'est un petit peu ralenti. Je pense qu'ils vident leur stock, tout simplement. Donc, voilà. Bon, écoutez, on verra bien. De toute manière, c'est bien. On ne contrôle pas les choses, du moins une partie. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura fait plaisir. Moi, je suis contente d'avoir trouvé les petits tampons. Moi, je suis
très très contente de mes achats. Voilà, on va pouvoir faire des petites créations. Je vous ferai certainement un tuto avec ça. On en reparlera. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Passez un très très bon week-end. Faites les choses que vous avez envie. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si, même si tu veux pas, tu seras là. Allez, bisous, bisous!